Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangster. On est toujours en live avec nos viewers qui cassent la croûte tranquillement devant le live. Une expérience à vivre, n'hésitez pas à passer à l'occasion pour la vivre aussi. Ici j'ai vu qu'on avait moyen d'avoir un bâtiment et en plus faut qu'on agrandisse le commerce de façade. Donc on va s'occuper un peu de ce coin. Ici, on pourrait prendre aussi des compétences intéressantes, pourquoi pas. On va le faire. C'est pareil, on a encore jamais trouvé la compétence qui permet de récupérer des bouteilles et tout dans nos commerces de façade quoi. On est tellement en déj de compétences sur ce run, c'est assez ouf quoi. Ouais, je sais pas si avec mon point j'ai pas de point d'action, donc ouais, je peux plus ni extorquer ni demander pour le bâtiment, donc on va passer le tour. Squashy a fait son taf et Matthew il a fait tout ce qu'il avait à faire. Catherine Marcelli. Ah, c'est notre chef de tripot. Ce sera Damné Marcelli. Et ça y est, c'est le début de la campagne électorale. Ah, Marvin Sharp, ici, n'est plus la personne principale, ok. Et ici... Ah, son challenger est passé devant, ça c'est pas cool par contre. Et là, là il va falloir travailler dur. Ok, donc, et on a quelqu'un qui a une dette. Alors on va vite fait finir ce qu'on avait à faire dans le coin. Et après il va falloir vraiment qu'on se concentre sur les élections. Alors, c'est quoi que tu nous proposes? Un tabac de quartier qui fait rien pour 10 000 balles. Parfait. En fait, le coût des bâtiments augmente petit à petit, j'ai l'impression. Hein. Ok, lui il nous déteste déjà, je sais pas exactement pourquoi. Ah, on a tué quelqu'un de sa famille. Ouais, bah écoutez, à un moment... Si on l'a tué, c'est sûrement qu'on avait une très bonne raison. Voilà. Alors, ici, on a éventuellement quelqu'un à prendre. Alors déjà, il faut qu'on passe... Toi, ton emplacement c'est là. On peut faire les deux d'un coup en fait, puisqu'il y a celui-là. Il va falloir travailler dur hein, pour gagner des voix ici. Donc, en avant. Qu'est-ce que tu peux faire? Recruter des détectives privés pour emmerder les gens. Pourquoi pas. En avant. Fais-toi plaisir. Et ici... C'est parti. Tu vas faire un petit discours lors de la prochaine campagne municipale. Il va aussi falloir qu'on aille draguer les commerçants du coin. Alors toi déjà, t'as une quête, c'est quoi? Tu veux qu'on fasse une fabrique derrière boutique? Non. Tu vas parler de la personnalité politique autour de toi. Très très bien. On va faire ça en masse. Chez toutes les personnes qu'on peut, à chaque fois qu'on passe quelque part, on va le faire. Tuck. 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 Toi, t'as bien quelques points d'action pour faire ça. Voilà. Ici aussi. Parfait, donc ici on a géré 33 sur 67, ouais on a réussi à un petit peu inverser. Il faut qu'on aille parler à l'autre personne. Ah, qui est là aussi. Putain, ils sont tous dans le coin en fait. Et là il y a quelqu'un qui connaît des gens intéressants. Donc là on va se concentrer à fond là-dessus. Hein. Le reste fonctionne à peu près tout seul. Ah, t'es un peu en déche toi. On va faire un généreux don. On peut pas parce qu'on n'a pas assez. Bon, on va aller chercher de la menu monnaie. Et pendant que je suis là, parle donc de notre personnalité politique préférée. Ils sont où les autres? Tiens toi là. Toc.
Ah, t'as plus de points d'action, zut. Marvin, t'es où? T'es là. Voilà. Discute donc avec les commerces du quartier, c'est parfait. Toi, t'as plus de points. Toi, t'as plus de points. Toi, il te reste 2 points. Ziki, mais t'es pas dans un endroit intéressant. Il va falloir qu'on répare ton camion, Zikino. La Maréto, ça en est où? T'es en train de ramener du fruit à coque. Ça me va. T'auras le temps. T'auras le temps. Après, on essaiera de te faire réparer ça. Et donc, il y a ce monsieur qui a des dettes, mais on n'a pas le mouvement. La petite sauvegarde. Ah, ça c'est dommage, on va devoir recourir quelqu'un, mais on a... On a plus le bonus vu que les élections sont en cours, donc on va peut-être devoir payer. On peut aussi attendre la fin des élections, c'est novembre, ah, ça va être un peu short quand même. Hein. Alors, hey, Ibla est reparti, repassé devant ici, ça c'est parfait. Ici c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Surtout qu'il a énormément de thunes ce monsieur. Ça m'embête vraiment de ne pas avoir pu le gérer. Là, on voulait prendre des sous pour aller aider notre poulain. Qui est ici. Je crois que j'ai oublié de faire bouger Matthew lors du dernier tour. Alors, on va donner 2000 balles. Ah, t'as toujours pas assez. T'es à 5429. C'était peut-être pas le bon candidat lui, hein, en finale. Il va falloir qu'on joue sur les commerces du quartier du coup. Voilà, on va demander à notre commerce de façade de travailler là-dessus. Ici c'est parfait, également on parle au commerce de façade. Là. Pas assez de points d'action, non, Squashy est en train de préparer son coup, elle a pas ce qu'il faut. Du coup on va y passer nous. On va faire à Miami, il n'y a pas de problème. C'est quoi ta quête? Ah, le club civique? Non, non, franchement, le club civique, c'est pas le thème là. Pour l'instant, j'aimerais que tu convainques les gens de voter pour moi. Ici, pareil. C'est un commerce de façade. On va cramer un petit peu. On va réparer. Est-ce qu'on a suffisamment pour réparer? Ouais, on a assez. Parfait. Là, il n'y a pas de sous à récupérer à tout hasard. S'il y a des sous, parce qu'il faut que là, mais c'est pas grave. C'est pratique d'avoir des sous à droite à gauche. Et donc, toi là. 1000 balles. Ah, mais oui, je lui avais déjà autorisé un peu de dette. Donc, cette fois, tu vas trouver la thune. Et cette fois, on la menacera. Elle, en fait, elle avait déjà eu des dettes. Je l'avais autorisé à aller jusqu'à 1000 de dettes, mais il faudrait voir à pas non plus trop se foutre de moi quoi. On a juste ce qu'il faut, et si on veut l'agrandir, on pourrait l'améliorer, tiens, c'est parti. Bon par contre il n'y a plus ce qu'il faut, on va aller déposer un petit peu d'argent. Et salut Sir Madness, bienvenue sur le live, comment ça va? Et oui tout à fait, une dette est une dette hein. On n'est pas là pour glander hein. Alors il va pas y avoir suffisamment d'argent là, c'est dommage. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un peu de sous proche? Matthew il a pas de sous. Continue son exploration. Euh,
Non, on a personne capable d'amener des sous. Malvin, il a de la thune, mais pas tant que ça. Il doit juste venir de déposer, donc il va falloir qu'on aille chercher de l'argent. Oula. Là, c'est la merde. Donc là, ça l'a pas fait, finalement. Qu'est-ce qui a coincé? Les fruits à coque. Il en a déposé 17, c'était pas assez. Bon, ok. Là, ça, ça l'a pas fait, mais c'est moins grave. Alors, est-ce que ça l'a pas fait parce que c'est plein? Peut-être. Et ça, ça l'a pas fait, ça m'embête un peu plus par contre, parce que c'est plein à rabord aussi. Est-ce qu'on peut vendre des meubles? Vend des meubles, non. Vend des meubles, vend des meubles, vend des meubles. On peut pas vendre des meubles nous, c'est bien dommage. C'est même fort triste. Ok, on va passer à la gare. Voir si on peut pas se débarrasser un peu de... Non, c'est toujours l'importation. Ici, les repasser devant, ça va être débattu ici. Mais on devrait pouvoir se débrouiller. On va passer chercher de l'argent pour relancer notre maison de jeu, c'est la priorité. Il n'y a pas grand chose ici. Oh là, sérieux, il nous manque 100 balles. Zut. On va prendre un peu de quoi financer. Ici c'est plein à 99% aussi. D'ailleurs, on pourrait aussi grandir à mettre d'autres trucs. Hein. Salon de Pharaon. On a ce qu'il faut si on voulait faire ça. On n'a pas de jeu de dés. On peut refaire des paris sportifs. C'est mieux que le bookmaker. On avait dit qu'on ferait un petit bar, mais on n'a pas trouvé la compétence. Table de jeu de cartes, on en a déjà une, non? Ouais, on en a déjà une. Bon. Pour l'instant, c'est pas l'objectif d'investir là-dedans, clairement. On a déjà trop à faire avec nos sous si on veut faire des dons et compagnie aux gens pour qu'ils fassent des trucs. Est-ce qu'il n'y a pas un petit commerce ici? Non, j'ai pas le temps pour ta quête. Ah, tu peux pas dire aux gens bisous, votez pour moi. Lui, on a une faveur avec lui, mais ça nous sert à rien, c'est bien dommage. Écoute, ça va bien, Sir Madness. Ça va plutôt bien. Un petit peu chaudement ces dernières heures là, mais ça va. Ok. Des faveurs, production interrompue. Donc là, l'objectif, ça va être de vider un peu la production de bière. On a du maïs, on a beaucoup trop de sirop de malt. Alors je pense qu'on va aussi ajuster un peu. Parce que on n'arrive pas forcément à dépiler. Là on en est où? On a 72 sirop de maïs, 39 de blé, donc on va se détendre sur la prod, sur l'achat là. 4 tonneaux. On va laisser dépiler un peu. Pareil, le blé, on n'a pas besoin d'autant. 10, c'est largement suffisant. Il en faut combien pour produire? 6, ouais, bah même 6, c'est largement suffisant du coup. Voilà. Voilà, on dépose le blé, le sirop de maïs, on n'en veut que 2, les bouteilles, on en veut 50, parce qu'on n'a pas besoin de 2000 non plus, hein.
Ouais, même 29, on en veut 29. Sachant qu'on en produit déjà avec notre... On va mettre 25. On en produit avec le bâtiment, donc il faut en éliminer un peu là. Toi, tu vas prendre du maïs sur toi. Voilà. Non, tu vas pas prendre du maïs parce que on sait pas quoi en foutre. Ouais. On n'arrive pas à écouler notre moonshine. On dirait que lui là, il a un petit peu de mal à faire toute sa collecte. Il faudrait une nouvelle recrue capable de vendre peut-être. Ça pourrait être intéressant. Ouais, ici on est comment là? 92% plein, on a plein de blé. Ah mais on peut jeter des trucs. Ah mais il y a un bouton jeté. S'il te plaît, je serai jeté. Aucune compensation de sa refaire, d'accord. On peut jeter des trucs. Oh, il y a du whisky en bouteille, du vin de contrefaçon aussi. Dans le coin. Pourquoi pas. D'ailleurs, les hôtels, là, ils nous font toujours rien de sympathique. Pour l'instant, non. Ok, ok, ok. Nous, on est plein. On a pu prendre que 6 bières. En même temps, on a tellement de trucs. On va en jeter, c'est bon. Les matraques, là. Voilà. Hop. Alors, les pieds de biche, on va les garder parce que on n'a plus les meubles. Si on peut pas les vendre, on va les virer. Voilà, ça, ça va faire de la place. Ça, ça va faire de la place. La batte de baseball, on la vire. La Winchester, on la garde. Le maïs, on va le poser là. Et on a pas mal de bière à vendre. Pour vendre là-bas de la bière. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été, donc on devrait pouvoir en vendre pas mal, je pense. Toi, t'as fait tes trucs du jour? Non. C'est parti, explore. Putain, y'a aucun bâtiment quoi. Eux ils se remettent. Pendant ce temps-là, Shkwashi se balade. J'espère qu'elle va pas tomber sur. Qu'elle va pas se faire attaquer. Parce qu'elle a pas grand-chose pour se défendre pour le coup. Alors, lui il doit payer sa dette. Parfait. Manuel Malvin a gagné un petit niveau. Tu fais la collecte Malvin, donc il te faut plus de mouvement parce que t'es en galère de mouvement. Ici, on vend la bière. Un maximum de bière. Hop, hop. Ouais, seulement 17 pots. C'est un peu chiant. Et on va aller chercher la dette du monsieur. Et cette fois, s'il a pas assez, enfin de la dame d'ailleurs, 600. Je voulais mon fric et tout mon fric. Je vais essayer de trouver les bijoux anciens de ma mère et les mettre au clou, ça devrait suffire. Et ben voilà, je savais qu'on pouvait s'arranger, tu vois. Suffisait de demander. Bon après, elle a disparu, donc je sais pas si, si elle va réapparaître ou si c'est mort ou... Si, elle m'a filé la thune. Elle m'a filé la thune, pardon. J'ai l'impression qu'elle m'a filé la thune. Ok. Ok, ok, ok. Très très bien, très très bien. On va aller refaire un tour chez nos candidats. Machine. Une invitation à dîner caricatif. C'est parti. On prend... On prend, on prend. Ici. Zut. Elle peut pas. Elle peut pas. Et comment ça se passe? C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Par contre, elle a pas de masse de thunes. Mais la priorité, je pense, c'est l'autre là. Parce que lui, on a toujours rien réussi à faire avec lui. Et il a pas les sous. Ah si, il avait fait. Il avait fait ce qu'il avait. Par contre, du coup, il doit plus avoir de budget là. Il a 43 et là 5000 de budget. On va faire un don de 2000 balles.
Comme ça, on pourra faire un truc à 6000 dès que possible. Et on va draguer un petit peu les électeurs. Ça marche toujours. Hop, hop, voilà. Une petite motivation des gens pour... pour qu'ils soient chauds. Ça fait toujours le taf. On a beaucoup de quêtes, mais c'est compliqué à dépiler, on va pas se mentir. Il faut qu'on vende de la bière. On pourrait pas vendre de la bière ici? Non. Si, là on pourrait vendre de la bière. Vas-y, achète-moi 32 pots, c'est parfait. Et ici on pourrait vendre de la bière, mais on n'a pas ce qu'il faut. Alors, Mathieu. Mathieu, va falloir que tu te répares. Tu vas venir ici. Et t'as pas les sous, bien sûr, puisque t'as rien sur toi. Donc va falloir que tu rentres réparer ta bagnole avant qu'elle tombe en panne. Ce serait quand même dommage. A tout hasard, toi là, la recrue que tu me proposerais, qu'est-ce qu'elle a? Nerveuse, calme et irritable. C'est pas ouf, mais ça pourrait être pas mal pour la vente. Bon, c'est quand même pas ouf. C'est quand même pas ouf, et toi? Ah bah c'est celle qui est curieuse et intelligente, bon, on va la prendre. Allez hop. On va la prendre et on va la mettre ici. Toc. Là. Si on peut améliorer un petit peu la production là, on va pas se plaindre. Alors genre, si on veut prendre la solidarité ethnique, c'est 1500 ici, ça pique. Ce sera peut-être pas la priorité tout de suite, mais il va falloir faire le taf. Il y a de la bière ici toujours, ok, pourquoi pas. On passe le tour. Il y en a pas un que j'avais oublié de regérer. Alors, après un certain temps à conduire, observer les attitudes des diverses banques, votre recrue a quelques options à vous proposer. Trouver des gardes aux employés. Ah, si on avait du papier, on pourrait faire ça, mais on n'a pas ce qu'il faut. Rassembler une bande, des guets, des perceurs de coffres et des chauffeurs, on entre, on prend tout ce qu'on veut, 750. Ok, c'est parti, on va faire ça. Jour restant 21. Ok, et ben c'est parti. Ici. Marvin Sharp est dans le mal. Ici par contre on est repassé devant de justesse. C'est plutôt cool. On vend des trucs, on vend plein de trucs, ça fait de l'argent. C'est long de préparer le casse par contre. Hein. C'est quand même assez long. Alors, quelques détectives privés, ça me paraît pas mal, histoire de booster un petit peu nos possibilités. Toi du coup, pour l'instant, t'es au coude à coude. Lui il a du charme, hein, c'est chiant de le battre, mais la diligence est organisée. C'est disputé, c'est disputé, c'est disputé. Pour l'instant on est gagnant à un endroit. Là on galère. Et là ça se vaut. Ça se défend, ça se défend. Est-ce qu'il y a des endroits où on a des faveurs qui pourraient nous aider? On a pas mal cramé de faveurs, on pourrait aller là. Pour demander encore un petit boost. Ah non, elle est pas dans, dans le bon district celui-là, bon, pas de chance. Marvin, t'es rentré, récupère un peu d'argent. Il n'y a pas d'argent, zut. Dommage. Récupère l'enveloppe.
42, c'est pas assez pour que tu répares. Bah, du coup, tu vas aller chercher l'argent là où il y en a. C'est-à-dire ici. Non, même là. Parce qu'il y a de l'argent et un truc pour réparer. Voilà, 68 de réparation. Et après, t'es reparti. Pour explorer par là-bas. Alors sachant, t'en es où là, 590, 39, il s'approche lui aussi tranquillement de la possibilité d'être un repéreur. Il faudra qu'il soit capitaine avant bien sûr. Alors on a de la bière, est-ce qu'on pourrait pas vendre de la bière dans le coin? Là on pourrait vendre de la bière ici. Yep. Allons-y. Tu nous aimes bien, on peut peut-être faire un petit bonus. Tu veux 20 pauses, parfait, c'est toujours ça de prix. Maintenant qu'on est en septembre, on va retourner à la gare aussi. Ah. Lui il en a marre d'attendre. Il faut qu'on aille le voir absolument. Alors on va faire ça tout de suite en priorité, c'est la priorité. Parce que s'il commence à nous faire des descentes, ça va être très complexe. Hop, c'est parti. Voilà. On a de nouveau une dette. Ici, on est passé premier de justesse. C'est plutôt cool. Et ici, on est redescendu. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, ici je veux qu'on a elle qui est là. Voilà. J'ai une tonne de bière artisanale à refourguer. C'est parfait. Il en faut 150, c'est ça? 150. On va passer chercher le stock. Qui est plus tant important que ça au final. Hein. Force de le vendre. Ici il n'y a plus de moonshine à vendre. Si, t'en as du moonshine. Ah, ça m'énerve de pas avoir le speakeasy là. C'est terrible. Ah, l'attaque de banque est ici là. Marrant. Hop, on va là, on récupère l'alcool qui était planqué là. Voilà, la bière artisanale qui était planquée là. On est reparti. Ok, on a 86, c'est pas si mal. Mathieu, mon cher, tu fais ton exploration. Toc, là il y a un mec que pas trop trop mécontent. On a vendu, on a découvert des trucs. Ok. On continue d'explorer. Bon, il y a une quête là, mais ça m'intéresse pas trop. Ok, ok, ok. Comment on pourrait faire en sorte de gagner plus de voix? Ah, c'est dommage parce qu'on est obligé de passer pour savoir si on peut refaire un truc avec eux. Je pense qu'on va passer chercher un petit peu de sous. Histoire d'avoir un pécule en cas de besoin. Au moins 1000, ce serait bien. Voilà. Et on est parti. Parlons de projet de campagne. Vas-y, détourne le conseil municipal, c'est parfait. Toi, tu peux pas pour l'instant. Et toi, parlons de projet de campagne. Hop là, une petite apparition publique, un petit discours. Ça va aider. Ça va aider, ça va aider. Et on a plus de points de mouvement. Oula, il s'est passé un truc là. Le casse. Oh. Comment on entre? On n'a pas ce qu'il faut, vous êtes sérieux? Mais il faut que ça soit dans la planque principale.
Attends, on peut peut-être refaire après. J'espère. Ouvrir le coup en cours. Ouais, d'accord, ok. Il nous faut des Winchester. On a plein de Winchester normalement. Elles sont où? Elles sont là. On a une Thompson, des pistolets de poche. Bordel. On a un pistolet de poche. Où sont nos Winchester? Dans le truc de bière? Ah putain, oui, ils sont là. Est-ce que t'as des mouvements, chocho? Oh, j'ai une chocho? Oui, t'as une chocho. Tu prends ça, et tu vas ici. Et tu déposes ça. Et tu peux pas parce que c'est plein, rien à foutre. Tu prends ça, et tu déposes ça. On va pas laisser tomber ce coup après tout le temps, allez hop. On utilise les Winchester, on montrera qu'on ne rigole pas. Ok, prépare les membres du gang maintenant. Eux, ils veulent peut-être faire une paix. C'est pas vraiment mon idée. Même si pour l'instant je suis un peu occupé à autre chose, j'ai un peu autre chose à foutre, on va pas se mentir. Donc ici on a lancé le projet de campagne. On va passer par là. Voir si on peut pas en faire un autre. Vite fait. Voilà, parfait. Et non, parce que t'as rien. Attends, t'as plus que 600 balles dans ton projet de campagne. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. On va donner 1000. Ça suffira pas. On est au coude à coude, hein. Si on arrive à faire en sorte que quelques gens... parle d'elle en bien, ça pourrait valoir le coup. Le souci c'est qu'on a déjà poussé avec nos commerces de façade, donc du coup on a plus trop ce qu'il faut. Alors toi, t'as des dettes, tu vas payer pour les autres. Démerde-toi, c'est le mot. Ici, nanana, bière artisanale, non. On a pas ce qu'il faut. On a, ouais. Vu qu'on a demandé à nos commerces de façade de travailler dessus, je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus. Ah, il a du charme en plus celui-là. On l'avait bien choisi, hein, au premier coup, hein. Forcément. Forcément, on avait bien choisi. Ah oui, du coup, elle a perdu sa voiture parce qu'elle est plus en plein coup, d'accord. C'est pour ça qu'elle est... Je comprenais pas parce qu'en fait, mon 3 ne touchait plus la bonne personne. Mon raccourci clavier. Elle est plus considérée comme du muscle, du coup, squashy pour l'instant. Alors là, on investit un max dans dans nos trucs de campagne. C'est compliqué. On a plus que 600 de réserve. Elle va bientôt avoir des dettes. Et on peut mettre dehors que ceux qui n'ont pas de dettes, forcément. Ouais. Logique, logique. Tu en avais pas 6 sur 6 avant? Ah oui, mais on l'a. Ah oui, ok, on n'a pas lié. Elle a plus son véhicule, mais on l'a pas libéré non plus. Ah, j'espère qu'on va pas le perdre le véhicule, ça serait dommage. C'était quand même un pick-up qui a fait du. Qui a fait du travail. Ici ça se passe comment la fabrique d'Amoretto? On a ce qu'il faut, donc toi tu vas peut-être être capable de t'arrêter 2 secondes pour réparer. Merde. Pour réparer ton camion qui commence à souffrir. Tu iras faire un tour là.
Ok, il se passe plein de trucs. Avant d'oublier, on va réparer le camion et on va le relancer. Toc toc, c'est parti. Et tu redémarres. Voilà. Alors, lui, il va falloir qu'on aille retourner le corrompre, mais lui, pour le coup, on peut peut-être attendre de voir si on arrive à gagner le truc. Ici, il y a des dettes de nouveau. C'est juste à côté, on va y aller. Ah non. Ah non, mais il y a deux personnes. Ah non, mince, elle est pas au même endroit. Elle est là. Scousez-le, scousez-le. File la thune. Ça commence à bien faire, ces gens qui donnent pas d'argent. Ici, on est derrière, on a pu un. Waouh. L'autre, ils ont 20 000 et 12 000, quoi. Ah merde, il a fait son blabla, mais en fait, il a été mauvais. Ça, c'est chiant. Notre candidat est une burne. Ici, on a gagné quoi ? Un coffre encastré. On a ajouté le braquage à notre... Ah, on a réussi notre braquage ? Peut-être. Non, elle est toujours en plein coup, mais ça doit considérer comme étant plutôt bien parti. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, alors lui, il s'est chié dessus. Est-ce que notre commerce de façade, là, on lui avait déjà demandé de draguer un peu? Vas-y, soutiens notre candidat. Fais-leur comprendre qu'on a... On est bien pour le coin. Alors lui, il est pas dans l'influence d'un commerce de quartier, donc je pourrais peut-être... Voilà, le faire travailler manuellement. Ici, pareil. Toc, toc, hop. On crame les faveurs. Là, il faudrait qu'on aille éventuellement les draguer, mais bon, pourquoi pas. Ici, on peut peut-être, pareil, cramer des faveurs pour ça. Là, on l'avait déjà fait. Ok, parfait. Ça se complique, ça se complique. Toi, t'explores un peu. Tu te rapproches un peu des rouges, là, donc il faut faire gaffe. On va te replier un peu dans ce coin. Si tu ne te fais pas attaquer. Bon, ça va. Alors, il doit payer sa dette. Ici, on repasse devant grâce au soutien des commerces du quartier. Mais on n'a plus une thune, hein, donc ça va être tendu. On est en octobre. Ici, il va y avoir une dinner party, on s'en fout. Toi... On doit être en dehors de notre district ici, dommage. Peut-être ici. Non. Bon, du coup, toi, on peut pas refaire de projet de campagne, hein, t'as juste complètement merdé. Allez, vas-y, fais. T'as beaucoup de thunes, donc fais-toi plaise. Alors c'est une course là, hein. Clairement c'est une course. Hein. Ouais, un petit invitation à un dîner caritatif, histoire de sécuriser vraiment l'élection. Et donc il y a elle qui est prête à rembourser sa dette, allons-y. Hop là. File de fric. On a besoin de fric, pas d'excuses. Non mais oh, comment ça bien faire ces gens. Par contre on va arrêter l'épisode de VOD là parce qu'il est bien assez long, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir dans le chat, n'hésitez pas à passer un petit bonsoir. Et puis bah on se dit à très vite pour la suite. Je bois un petit coup et je coupe le record. Ciao ciao tout le monde.